Rares sont les âmes qui parviennent à prendre le dessus sur le symbiote de l'homme et à préserver l'intégrité de leur essence originelle. À l'image d'un Saint-Georges ayant dompté le dragon, quelques commandos d'élite ont cependant réussi à maîtriser l'ego. De par la force de l'énergie christique que ces âmes irradient, l'ADN a ouvert ses soleils cellulaires se parant d'une armure de lumière. Ces êtres qui ont consacré leur vie à la spiritualité véritable, qui se résume au don de soi, sont parvenus à se libérer des lois de la matrice, la loi des dix commandements, la loi du karma, mais aussi de certaines lois de la physique. C'est ainsi que l'on verra certains d'entre eux acquérir des facultés exceptionnelles, comme le don d'ubiguïté ou de lévitation. Certains souffriront dans leur chair tout au long de leur vie des fameux stigmates du Christ. Ces plaies par où s'écoule du sang de couleur sombre, du sang fortement chargé de l'essence des faux dieux, sont situées au niveau des principaux points d'ancrage du commando d'élite. Elles résultent en fait du combat intérieur du commando d'élite contre l'ego. C'est par ces plaies que ces êtres remarquables se libèrent peu à peu de la bile noire du symbiote de l'homme. L'incorruptibilité de leur enveloppe charnelle après la mort est une autre caractéristique de ces hauts gradés de la résistance. Il n'y a pas de hasard. Après la mort, le commando d'élite demeure lié via le corps astral à son corps resté dans le moyen astral, dans la troisième sphère. Autrement dit, tant que les corps physiques sont préservés, les âmes qui leur sont attachées ne sont pas soumises. Au cycle des réincarnations. Cela permet au chevalier qui a rejoint les zones de commandement de la résistance de choisir le moment et l'ADN haute de sa prochaine incarnation. Le rituel d'embaumement, honneur réservé aux héros des peuples et que l'on retrouve avec des variantes dans de nombreux pays, est hérité de ce savoir malheureusement perdu pour le commun des mortels. Les sangs noirs détiennent encore ce secret et ils en abusent. C'est pourquoi ils se font bâtir des mausolées et s'offrent les services d'embaumeurs en attendant le jour où ils seront clonés. Pendant ce temps, ils demeurent plus longtemps dans le haut astral où leur pouvoir est décuplé. Mais revenons aux officiers de la résistance. Une fois dans l'au-delà, malheur à eux s'ils se font capturer. Heureusement, dans la quasi-totalité des cas, ils sont récupérés par leur père qui termine de les débriefer. Ils échappent ainsi au système carcéral conçu par les faux dieux et qui attend le commun des mortels dans le haut astral. A la différence des autres commandos d'élite dont le sommeil est profond, ils peuvent choisir le moment de leur retour sur Terre. Et finalement, s'ils prennent le risque de revenir, c'est de leur propre chef. Parce qu'ils estiment le moment venu de revêtir l'armure et d'aider à l'éveil des morts-vivants que nous sommes, littéralement. Eux aussi reviennent sur Terre avec un plan, mais un plan choisi en toute conscience. Le retour dans la troisième sphère de densité est facilité par l'intervention de forces de soutien qui ont mis en place un programme génétique visant à créer des corps destinés à les accueillir. Ces corps. En partie nettoyés de la présence de bile noire, ne subissent que partiellement le formatage qui démarre dès le premier souffle du virus humain. C'est d'ailleurs aussi le cas dans une moindre mesure de tous ceux qui ont vécu un coma ou ont failli mourir au moment de leur naissance, ou de tous ceux qui ont subi un traumatisme grave au cours de leur petite enfance. Naturellement, les faux dieux s'activent pour contrecarrer ce plan. Nous avons vu à quel point le mensonge est inscrit dans la fondation même du monde, combien la perversion et la détermination des faux dieux sont redoutables, l'obstination et l'opiniâtreté de l'ego à nous combattre farouche. La légion des archontes s'est lancée sans retour possible dans une guerre contre les forces christiques, entraînant ce monde vers un Armageddon au sein duquel l'âme humaine devra choisir son camp et tenir son rôle, s'éveiller ou abdiquer, se soumettre. Ou entrer en résistance, l'objectif de la résistance est de renvoyer cet univers enfermé dans une boucle spatio-temporelle, dans un bain d'onde de la matrice originelle, le paradis perdu qui ne connaît ni l'espace, ni le temps, ni la mort. Beaucoup pensent que le maître christique était venu sur terre pour sauver le monde. Et provoquer la rédemption et le retour en grâce des archontes eux-mêmes. Cette vision est erronée. Elle insinue que la matrice originelle aurait eu un plan laissant sombrer les archontes dans leur déviance pour mieux les faire rentrer dans le rang après s'être enrichi au passage d'une nouvelle expérience. Faux. Par nature, le royaume, dans son absolue perfection, n'a pas besoin de nouvelles expériences. Mais pour la même raison, il ne pouvait pas interdire aux archontes d'aller au bout de leur folie furieuse. Le maître christique avait bien pour mission de détruire le monde. Jean nous le confirme. 3.8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Comme d'habitude, cette vérité importante a été noyée dans le texte entre plusieurs mensonges. 3.12 et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère, et pourquoi le tua-t-il parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. On se demande sur la base de quel principe universel on a pu juger que les œuvres de Caïn, ce malheureux cultivateur, sont mauvaises et justes celles de son frère l'égorgeur d'agneaux. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire du monde, Seules quelques générations ont eu pour mission de brandir l'épée d'or, l'épée de la révélation et de l'accomplissement. Nous sommes une de ces générations. La mer des batailles approche dans cette guerre de tous les temps. À la menace qui s'apprête à fondre sur nous doit donc répondre l'éveil de la conscience. Pour aider les commandos d'élite à recouvrer la mémoire, une autre singularité de la matrice a été piratée par la résistance. Cette singularité a été conçue par les faux dieux eux-mêmes pour pouvoir se déplacer d'un point à l'autre du système solaire. Le trop long séjour de la Légion Noire au cœur de la matière noire durant le temps zéro a en effet profondément modifié leur nature, si bien qu'ils ne pourraient plus retourner dans la matrice originelle sans se désagréger instantanément. Or, ils ne peuvent pas se matérialiser et survivre indéfiniment sans protection dans la nouvelle matrice qu'ils ont créée. S'ils peuvent prendre n'importe quelle apparence et se manifester physiquement dans la matrice artificielle durant quelques heures, la nuit de préférence, ils doivent utiliser pour des périodes plus longues des êtres humains qu'ils ont génétiquement préparés à les accueillir, les sang noirs. Sans cette protection, dès les premières lueurs de l'aube, le rayonnement cosmique en provenance du Soleil les transformerait en poussière, des grains de poussière noire qui s'évaporeraient dans l'air. C'est pourquoi, la plupart du temps, les faux dieux sont condamnés à séjourner à l'intérieur de la septième sphère au cœur des planètes qu'ils occupent. Lorsqu'il leur arrive de se déplacer d'une planète à l'autre dans notre sphère de densité, ils le font dans des caissons de protection électromagnétique, les fameux ovnis à l'intérieur desquels, plongés dans un liquide visqueux, ils sont protégés des rayons cosmiques. Profitant de cette faille gravitationnelle, la résistance a conçu ses propres ovnis qui se glissent dans notre dimension en passant par le Soleil. Ces engins ne sont pas occupés par des entités du royaume. Ils sont pilotés par des sortes de robots adaptés à ces conditions spécifiques et générés automatiquement à l'intérieur du cocon magnétique. Ces robots ont pour mission d'enlever un maximum de personnes afin non seulement de réactiver leur mémoire, mais aussi pour prélever une immense base de données ADN. Ces créatures font leur travail sans le moindre état d'âme. Ils paraissent souvent austères, voire cruels. Pourtant, de leur efficacité dépend la survie d'un très grand nombre de commandos d'élite. Les enlevés sont placés dans une dimension parallèle, tandis que les robots travaillent directement au nettoyage de leur ADN. De nombreux membres de la résistance à travers le monde sont ainsi enlevés avec leur corps astral depuis leur plus tendre enfance. Les robots placent alors à l'intérieur du corps astral un ou plusieurs implants. Lorsque le corps astral réintègre le corps physique, les modifications effectuées à l'intérieur de l'ovni imprègnent alors celui-ci car les implants adaptent leur fréquence et la plaque sur celle de l'ADN racine. C'est ainsi que les implants se matérialisent. Une fois retirés du corps, les implants se désagrègent rapidement, reprenant leur fréquence vibratoire d'origine. Les implants permettent non seulement la traçabilité des enlevés où qu'ils soient sur la planète, mais ils ont aussi pour fonction de réveiller leur mémoire. Ces enlèvements sont malheureusement vécus comme un traumatisme et peuvent provoquer de terribles rabâches sur les individus enlevés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Certains qui vivent sous le contrôle de l'ego, ne peuvent supporter le choc de la réactivation des mémoires du commando d'élite. C'est malheureusement le seul procédé capable de réparer en partie les dégâts occasionnés par le formatage que les âmes subissent dès la naissance. Arrivées à un stade avancé du processus, certaines victimes d'enlèvement éprouveront le besoin de recourir à l'hypnose dans l'espoir confus de se souvenir. Si la mémoire ne peut jamais se reconstituer entièrement, les victimes s'accordent à dire, en revanche, que ces événements ont totalement modifié leur façon de concevoir la vie. Naturellement, les faux dieux connaissent ce programme pirate qui s'est infiltré à travers la simulation, et ils brouillent ses effets en se lançant à la chasse des personnes enlevées, en procédant eux-mêmes à des enlèvements, en manipulant les mémoires, en insérant leurs propres implants de façon à ce que ces réminiscences s'apparentent à de la folie. Les engins de la résistance sont souvent victimes d'attaques de la part de l'armada des faux dieux. Certains qui ne parviennent pas à s'échapper sont détruits par les tirs de leurs poursuivants. Et tout doit alors être recommencé. De ces batailles, parfois très spectaculaires, dépendra un jour le sort du monde. C'est donc un vaste programme qui a été élaboré et mis en place par la résistance. Nous ne devons pas désespérer de son efficacité, car il est encore temps. Même si les événements se précipitent, le blackout n'est pas encore pour maintenant. Comment être aussi affirmatif Parce que la population mondiale n'a pas encore totalement reçu la micro-puce d'identification, la fameuse puce RFID que les médias nous vantent tant. Il faut impérativement en effet que les peuples aient reçu l'implant d'identification avant le déclenchement du blackout, de sorte que le moment venu, les maîtres du nouvel ordre mondial de Milan puissent recenser les survivants. Où qu'ils soient, localiser et rassembler le troupeau de zombies qu'il leur faudra reprogrammer. Avant d'aller plus loin, récapitulons toutes les notions que nous venons de voir. Les faux dieux ont conçu le virus humain le couple ADN égaux, pour que celui-ci remplisse différentes fonctions dont la plus importante est de contribuer au bon déroulement du blackout en maintenant la Terre sur une fréquence basse. Le blackout est un cataclysme global qui se produit de façon cyclique tous les mille ans et qui a pour objectif de maintenir en place la matrice artificielle, la simulation. Il résulte de tout ceci une chose douloureuse, en contradiction totale avec ce que prônent les religions du monde entier. L'être humain n'est pas une créature divine et la question de sauver l'humanité ne se pose même pas sur le plan divin. Autre point qui découle du premier, s'il existe une guerre céleste entre le bien et le mal, alors le mauvais camp préside à la destinée du monde et toutes les organisations religieuses, toutes les institutions planétaires sur lesquelles s'appuient les sociétés humaines œuvrent en son nom. Il ne faut évidemment pas faire l'amalgame, par exemple, avec le bas clergé de ces différentes institutions religieuses ou les petits salariés qui travaillent dans ces organismes multinationaux. Car les membres de ces organisations, pour la plupart, œuvrent en toute sincérité et dans la plus totale ignorance de ce qui se trame au-dessus d'eux. Nous savons qu'une force de résistance s'est infiltrée dans la matrice artificielle. L'objectif de la résistance, dont le poste de commandement central se trouve dans une zone du haut astral, hors d'atteinte des faux dieux, consiste à faire échouer les blackouts afin de rétablir l'ordre harmonieux de la matrice originelle. Pour y parvenir, les commandos d'élite ont piraté le virus humain. Si l'on veut simplifier au maximum, ce sont les âmes dont parlent les traditions. Or, dès sa naissance, le virus humain subit un formatage qui se prolonge pendant six ans et efface les mémoires du commando d'élite. Ainsi, à l'intérieur de chacun d'entre nous, un chevalier se débat, tandis que le virus humain reste la marionnette des archontes. L'être humain est donc composé de trois consciences. Vous comprenez pourquoi la base de toute quête de vérité est de se connaître soi-même. C'est la base de tout cheminement initiatique. Et non l'objectif. Que cette quête de vérité soit intérieure dans le cadre d'une psychothérapie ou extérieure dans le cadre d'une compréhension globale de la vie, se connaître est la porte d'entrée qui ouvre le chemin du véritable bonheur. La célèbre devise « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux placés sur le fronton du temple de la Pitié de Delphes, et donc parfaitement à sa place et elle prend ici tout son sens. Ainsi, la guerre des origines, la guerre spirituelle du bien contre le mal, s'est perpétuée à travers le temps jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'extérieur et à l'intérieur de nous. À chaque fois que la résistance a cru toucher au but, l'autre camp a trouvé la parade et a su adapter ses défenses tout en prenant la résistance de vitesse. Les pirates, dépossédés de leur mémoire, en sont toujours à rechercher des réponses à la question de leur présence sur terre et les religions sont là pour leur apporter les mauvaises réponses. Voilà pourquoi il est crucial de se libérer de ces philosophies pernicieuses et de réaliser que les faux dieux qui contrôlent le destin de l'humanité depuis l'origine sont tous, sans exception, nos prédateurs. Une lecture objective de l'Ancien Testament, à la lumière de ce qui vient d'être dit, vous montrera que les légions noires au service du roi de ce monde, connues dans ce cycle actuel sous le nom de Yahvé, n'ont eu de cesse de tromper, de diviser et d'asservir l'humanité. Isaïe nous dit bien que Yahvé est le Dieu de la terre. 54-5. Car ton créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Tout est écrit noir sur blanc dans les textes. Nous avons vu dès le début de l'ouvrage à travers la lecture du Nouveau Testament que ce Yahvé qui commande aux affaires de la terre, n'est absolument pas le Père Céleste de l'évangile. Il est au contraire le premier des archontes, le chef des légions noires, la tête dirigeante de la monade pour cette zone de la matrice artificielle. Voici d'ailleurs ce que dit le Christ aux scribes et aux pharisiens dans le temple. Jean 18. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les choses ne peuvent être énoncées plus clairement et il faut être aveugle. Ou sous le contrôle de la bile noire pour ne pas se rendre à l'évidence. Certes, la vérité sacrée contenue dans les évangiles a été habilement détournée et saupoudrée de mensonges pour mieux manipuler les fidèles. Il n'empêche qu'une lecture attentive, pourvu qu'on détienne certaines clés de compréhension, permet de démêler le vrai du faux. Nous avons vu que la vie de Jésus a été inventée par les faux dieux comme celle des autres avatars qui l'ont précédé. Nous avons vu que nous vivons dans un mensonge intégral, un mensonge qui dépasse l'imagination de toute personne normalement constituée et résonnant de façon naturelle et saine. Peu de temps avant le déclenchement du précédent blackout, les peuples s'éveillèrent à l'énergie christique, à l'amour. À la vérité, comme c'est le cas à chaque fois à l'approche du white -In. Devant l'imminence du grand chambardement, les lignées de sang noir se disputèrent les faveurs du grand monarque, dans l'espoir d'être choisi pour prendre la gouvernance de l'ordre mondial suivant. Une lignée importante, profitant de la vague christique qui submergeait les esprits à l'époque, réussit à fédérer un maximum d'adeptes autour du personnage de Jésus. L'histoire savamment inventée du Fils de Dieu faisait de plus en plus d'émules à Rome. Il s'agissait en fait d'une récupération et d'une judéisation de l'enseignement du véritable maître christique qui vivait à l'époque. Une manipulation visant à brouiller les cartes et à enfumer les esprits qui auraient pu se connecter avec la résistance authentique. Un enfumage, comme on en voit tant aujourd'hui encore dans notre monde, mais aussi dans le milieu spirituel. La lignée de sang noir au pouvoir tenta de reprendre le concept et de concurrencer ce mouvement naissant en inventant à son tour un autre personnage, un Christ grec, Apollonius de Tyane, dont la vie et les exploits ressemblaient trait pour trait à la vie et au miracle de Jésus. Mais il était trop tard. Le personnage de Jésus avait déjà les soutiens puissants et il avait la préférence des petites gens. Finalement, le blackout sonna la fin et le début d'un nouveau cycle de mille ans. Apollonius disparut de la mémoire des hommes, tandis que le nouvel empire romain, tel un phénix renaissant de ses cendres, Récupéra Jésus le Galiléen et l'imposa au monde. Nous avons vu que toutes les vies des abatas sont une transposition symbolique des étapes du cycle solaire. Rien de plus normal puisque le soleil joue un rôle considérable dans le déclenchement des blackouts, ouvrant sur chaque nouveau chapitre de mille ans. Il n'empêche, le message d'amour et de vérité contenu dans les paroles des évangiles détaché de tout contexte religieux, provient incontestablement d'une source spirituelle authentique très pure et très élevée, la résistance. Lorsque j'explique tout cela, les gens me demandent ce que nous pouvons faire finalement face à de tels mensonges permanents, face à une telle manipulation, si même l'histoire de Jésus est un mensonge. Je réponds... À chaque fois que nous ne devons pas désespérer de l'esprit christique qui est en chacun de nous au contraire nous devons l'aider de toutes nos forces en nous tournant vers la vérité bien compris le message christique est d'une puissance Extraordinaire. Nous pouvons être déçus en tant que chrétiens de la non-existence de Jésus ou de la falsification de l'histoire de sa vie, mais sûrement pas en tant que porteurs de l'esprit christique. Jésus n'a pas existé Posons-nous la question qu'est-ce qui est le plus important Le message christique délivré par le général en chef de la résistance ou le messager Je préfère le message. Car nul ne peut douter de son existence. Les sangs noirs ont prétendu que si nous ne croyons pas aux messagers, nous n'aurions pas accès au salut. C'est une façon de mettre en avant leur dieu solaire au détriment du message d'amour. C'est une manipulation supplémentaire pour nous détourner du commando d'élite qui se bat en nous pour la vérité. Cela nourrit une peur irrationnelle et cela alimente en même temps notre penchant naturel à la superstition. Car croire aveuglément, avoir la foi, ce n'est pas quelque chose qui se décide, alors qu'appliquer le message implique une adhésion en conscience et doit être toujours suivi par des actes volontaires et responsables. Si Jésus représente pour vous une incarnation importante, si vous pensez que son histoire est authentique, conservez cette image positive précieusement, tout en prenant conscience que c'est surtout le message qu'il portait qui importe. Ce message d'amour et de vérité, c'est à nous les vivants de le porter à présent. Les sangs noirs ont fait passer la foi devant l'amour, mais la foi étant une expression de l'amour, par nature, elle ne peut pas être plus importante que ce dont elle émane. Ils ont distingué la foi de l'amour pour amoindrir cette énergie, car la foi déplace les montagnes seulement si l'amour l'inspire. Mais l'amour et la foi sont aveugles. Il existe des amours destructeurs et ceux qui contrôlent les religions utilisent la foi des fidèles pour allumer à leur gré des feux ravageurs. L'amour et l'énergie. C'est l'épée d'acier qui conduit à la paix intérieure. Cependant, c'est la connaissance qui élève l'amour. La vérité est le catalyseur. C'est l'épée d'argent qui s'acquiert dans un second temps. Amour et vérité sont indissociables. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre. La connaissance n'est rien sans amour, sans cette capacité du don absolu de soi. À présent que nous avons revu tout ça, nous pouvons nous engager plus loin dans notre compréhension du monde.